I have a friend who's an artist and has sometimes taken a view which I don't agree with very well. He'll hold up a flower and say, look how beautiful it is. And I'll agree, And he says, you see, as I as an artist can see how beautiful this is, but you as a scientist, oh, take this all apart and it becomes dull thing. L'Islande est un pays chargé de magie à de nombreux niveaux. Les paysages spectaculaires de l'île invitent à imaginer une mythologie à leur échelle, à peupler par la pensée le décor d'êtres surnaturels qui y vivraient cachés. Le climat rude et le volcanisme violent semblent aussi n'autoriser que des humains plus grands que nature à y vivre, et c'est une idée qui transparaît dans les sagas islandaises, ces récits médiévaux rapportant la vie des habitants de cette île. Le folklore local et les sagas racontant l'histoire du pays et de ses gens ont imprégné le territoire de mystère, de surnaturel, d'une grandeur irréelle. Ces croyances magiques donnent du sens à un paysage qui est difficile à vivre. Toute cette population invisible donne une raison d'être à ces reliefs arides et offre un guide de conduite lorsqu'ils sont cruels. Cet aspect magique imbibe le territoire, et aujourd'hui plus de la moitié des Islandais affirment croire en l'existence des elfes. Mais la beauté et le sens ne peuvent-ils venir que d'une vision fantasmée d'un univers que l'on imagine peuplé d'êtres insaisissables et de forces incompréhensibles ? La science ne peut-elle pas offrir un quelconque apport esthétique à la façon dont nous percevons le cosmos ? Dans le langage courant, la science désigne au moins deux choses complètement différentes. La méthode pour en apprendre plus sur le monde qui nous entoure, et les connaissances générées par cette méthode. En général, c'est plutôt à l'art que l'on assigne le rôle de parler de beauté ou d'esthétique, mais je pense que les connaissances le peuvent aussi. Paradoxalement, le savoir accumulé en science ne donne aucun sens aux choses. Il explique ce qui est, mais n'offre aucune réponse à des questions telles que « pourquoi sommes-nous là ?» ou « que nous a-t-il permis d'espérer ?» La science se fiche du sens de la vie. Elle révèle que nous ne sommes qu'un heureux accident sur une planète parmi tant d'autres, dans un système solaire banal, dans une galaxie banale. Bref, au lieu de nous fournir du réconfort, elle tend plutôt à nous en priver. Ces résultats sont indifférents à notre sensibilité ou à notre sens esthétique, et c'est peut-être ce qui fait que celle-ci apparaît souvent comme aride, par définition dénuée d'esthétisme ou pratiquée par des chercheurs qui n'ont pas nécessairement cette sensibilité. Pourtant, du prix Nobel de physique Richard Feynman à Carl Sagan, en passant par Jean-Claude Ameisen en France, de nombreux chercheurs et vulgarisateurs ont fourni, ou fournissent encore aujourd'hui, beaucoup d'efforts pour nous prouver le contraire. Leur argument est souvent le suivant. La science, en explorant le monde, nous offre au contraire plus de niveaux de perception potentielle de la beauté. Then I can appreciate the beauty of a flower. At the same time, I see much more about the flower than he sees. I could imagine the cells in there, the complicated actions inside, which also have a beauty. I mean, it's not just beauty at this dimension of one centimeter, there's also beauty at a smaller dimension. The inner structure, also the processes, all kinds of interesting questions which the science knowledge only adds to the excitement, the mystery, and the awe of a flower. It only adds. I don't understand how it subtracts. Avec la disparition d'une vision magique du monde, des niveaux de complexité supplémentaires apparaissent, et avec eux, de nouveaux éléments que l'on peut trouver intéressants, inspirant ou beau. Par exemple, depuis l'interview de Richard Feynman, tournée en 1981, la science a encore fait des progrès sur la connaissance des fleurs. Nous en savons plus sur les propriétés mécaniques d'une tige, sa capacité à se courber face aux contraintes du vent ou à résister à la basse pression interne nécessaire pour faire monter la sève depuis les racines. Nous avons pris la mesure des symbioses avec des champignons racinaires tellement développés qu'elles permettent à différentes plantes d'échanger des molécules entre elles dans ce qui forme un réseau de communication souterrain dont nous n'avions aucune idée il y a seulement quelques années. Nous avons pu imaginer à quoi ressemblaient les premières fleurs apparues il y a plus de 150 millions d'années. Nous avons découvert l'événement génétique qui a fait apparaître cet ensemble de plantes, une duplication entière de l'ensemble de leur matériel génétique, le génome. Nous avons mieux compris la bataille complexe qui se déroule entre les plantes à fleurs, utilisant les insectes pour disperser leur pollen, et les insectes utilisant les fleurs pour leur nutrition, chaque partie manipulant l'autre dans une bataille transgénérationnelle qui dure depuis le Crétacé. En 35 ans, notre connaissance d'un sujet aussi trivial en apparence que celui d'une fleur a complètement changé. Des niveaux de complexité supplémentaires sont apparus, et à condition d'y être sensibilisés, ces découvertes racontent des histoires incroyables qui peuvent émouvoir. Les échelles de ces histoires nous dépassent et nous ne pouvons pas les saisir intuitivement. Comment ne pas être écrasé par la profondeur temporelle des millions d'années qui nous séparent de la première fleur, ou ne pas être humble devant la finesse des mécanismes cellulaires au cœur d'une plante? À mesure que les trolls disparaissent, que les dragons s'évanouissent et que les elfes sont oubliés, l'univers que l'on observe se remplit de connaissances, et chacune de ces connaissances est une nouvelle occasion de percevoir de la beauté. Bref, comme le disait Richard Feynman, it only adds. I don't understand how it subtracts. Cette approche esthétique du savoir est très puissante, et comme beaucoup de personnes avec une formation scientifique, j'y suis personnellement très sensible. Ces niveaux supplémentaires de connaissances m'évoquent des histoires, et ces histoires sont belles. Elles ont un sens, une portée dramatique.
Mais cette recherche de beauté et de sens à travers l'accumulation boulimique d'informations sur le monde qui nous entoure ne me semble être que la moitié de la réponse. Il existe une toute autre raison pour laquelle la science rend le monde plus beau, une raison qui est trop peu évoquée et qui est, il me semble, bien plus puissante que la première. Elle est liée à la première définition de la science, à savoir la méthode pour acquérir les connaissances. Pour m'expliquer, il faut que je vous parle un peu des Islandais eux-mêmes et de la saga qui est nichée au cœur de leur génome. Tout commence avec l'arrivée des premiers Vikings à la fin du 9e siècle. Ils sont principalement issus de Norvège et sont accompagnés de leurs esclaves irlandais ou écossais et colonisent l'île pour y rester. Ils font fuir les moines irlandais qui y vivaient depuis 200 ans en ermitage et cadastrent le territoire en quelques décennies. Très vite, toutes les terres arables du pays sont la propriété d'un colon islandais. Ceux-ci s'intéressent très tôt à leur propre histoire et à leur généalogie, et l'arrivée du catholicisme puis du protestantisme sur l'île se fait dans une culture déjà très littéraire. L'église trouve sur l'île un terrain fertile pour sa propre logique de consigner la vie des habitants dans des registres paroissiaux. Naissance, mariage, décès, la vie et la généalogie des Islandais a été minutieusement enregistrée par des générations de prêtres pendant plus d'un millénaire, et aujourd'hui encore, les insulaires restent très préoccupés par leur généalogie. Beaucoup la connaissent sur 6 ou 7 générations. Évoluant dans ce qui se rapproche très près d'un vase clos génétique depuis la colonisation au 10e siècle, les gènes qu'ils portent ont évolué en 1000 ans, et certaines versions de ces gènes, les allèles, sont devenus fréquents, tandis que d'autres ont disparu de la population. Avec les données généalogiques offertes par le travail de fourmis des religieux et le très faible apport de gènes venus de l'extérieur pendant aussi longtemps, la population islandaise est un laboratoire naturel de génétique unique au monde. En 1996, l'Islandais Kari Stefansson fonde l'entreprise Decode Genetics, dont le but est de tirer profit de cette incroyable combinaison pour identifier des gènes appliqués dans des maladies communes, comme les maladies cardiovasculaires, la schizophrénie ou certains cancers. L'idée est la suivante. Si l'on connaît le registre médical de la population entière, si l'on connaît les gènes de la population entière, et si l'on connaît les relations de parenté entre les individus, on pourra réussir à relier les gènes aux maladies, et donc identifier les causes génétiques de ces dernières. L'entreprise commence très vite à élaborer un gigantesque catalogue génétique à l'échelle de la population au moyen de deux techniques, le génotypage et le séquençage. La première consiste à ne s'intéresser qu'à certaines régions du génome bien précises, et avec le temps, les techniques de lecture d'ADN deviennent incroyablement moins chères et les chercheurs peuvent utiliser une autre technique, le séquençage de génome complet. Le génome niché au cœur de nos cellules est une gigantesque chaîne composée de 4 types de maillons différents, et le séquençage de génome complet permet de les connaître tous, du premier au dernier. Aujourd'hui, en 2016, plus de 100 000 Islandais, soit le tiers des habitants de l'île, ont été génotypés et presque 10 000 d'entre eux ont eu leur génome complètement séquencé par Decode. À titre de comparaison, le projet international des 1000 génomes, qui a réalisé le catalogue le plus détaillé de la diversité génétique humaine, ne comptabilise que 2500 humains venant de 26 populations séquencées. Les Islandais sont donc le peuple sur lequel nous avons le plus d'informations génétiques au monde, et il y a un côté extrêmement froid dans cette constatation. La majorité de ce qui est transmis par les parents et de ce qui sera transmis à leurs enfants tient sur un disque dur. Pas d'étincelle vitale, pas d'âme, juste un énorme fichier de texte avec des milliards de lettres. Pourtant, si ce fichier a une première et une dernière lettre, dans une finitude un peu déprimante, il faut bien comprendre une chose. Nous sommes incapables aujourd'hui de comprendre ce que ces lettres veulent dire, dans leur écrasante majorité, et c'est exactement là que se trouve, à mon avis, la véritable beauté de la science. Ce mystère a quelque chose de fascinant. Il crée une esthétique, il crée de la beauté. Les quelques milliers de génomes humains séquencés actuellement sont encore de véritables énigmes pour nous. Nous ne savons pas comment ils fonctionnent. Les études extensives de Decode ont littéralement pour objectif de mieux comprendre le génome, en essayant de relier les morceaux d'ADN à quelque chose d'observable sur le corps, les maladies. Nous n'en sommes qu'au début de l'exploration de ce continent intérieur, et c'est un continent dont on ignorait l'existence avant les débuts de la génétique, et dont les contours n'ont même pas encore été tracés. Les règles de ce pays, savoir comment les séquences d'ADN interagissent ensemble, et comment elles interagissent avec d'autres éléments présents dans la cellule, nous sont encore largement inconnus. Nous sommes face à un territoire incompréhensible, et je trouve qu'il y a une beauté dans cette constatation. La beauté ici n'émerge pas des phénomènes que l'on découvre, mais de l'ignorance qui est créée avec leur découverte. Avant l'invention du séquençage, nous n'avions aucune idée de ce que nous ne savions pas encore sur le génome. Et c'est une règle générale de la science. Avec chaque connaissance charmant acquise, nous découvrons de nouveaux pans de notre ignorance. À chaque pas en avant, il y a de nouvelles zones d'ombre à explorer. La science nous offre alors une vision esthétique très particulière, d'où sa mère, sur notre univers. Nous n'arriverons jamais aux limites de cet effort de recherche. Nous ne pourrons pas remplir toute notre ignorance de connaissances comme si c'était un vase fini. En d'autres termes, nous ne pourrons pas éteindre tous les doutes, et il faut l'accepter. Il faut accepter de vivre avec le doute, et le voir comme une opportunité de s'émerveiller de l'incroyable profondeur de notre univers. Chérir cette ignorance en ce qu'elle excite notre curiosité,
partager ses doutes et cette curiosité avec des êtres chers, se prendre avec eux à spéculer, raisonner et réfléchir. La science révèle de notre monde son caractère profondément riche, insondable, créatif et mystérieux. Et savoir que l'on est dans un univers qui nous dépasse et tenter malgré tout d'en comprendre des morceaux, voilà à mon avis la beauté cachée de la science.